Aujourd'hui, au fur et à mesure de sa constitution, la communauté d'agglomération, maintenant la métropole, a hérité d'implantations dispersées qui pèsent lourdement dans nos comptes. Et donc, comme une famille, lorsqu'elle peut investir, eh bien, nous devons investir dans un immobilier propre qui nous appartiendra et qui, très vite, nous coûtera moins cher. Et comme en plus, ce sera un bâtiment extrêmement moderne, extrêmement sobre en matière de consommation d'énergie, eh bien, nous ferons très vite des économies qui sont chiffrées à plus de 200 000 euros, des économies dans les frais de charges courantes habituelles du bâtiment. Un seul des bâtiments que nous louons aujourd'hui nous coûte 1 million d'euros par an. Donc on est vraiment dans une rationalisation importante de nos charges immobilières. L'objectif est de faire des économies. Mais pas seulement, l'objectif est aussi d'aménager le bord de Seine et d'en faire un atout pour le développement de l'écoquartier et du cœur de l'agglomération. C'est ce qu'on appelle le projet Seine Cité, avec rive droite, Luciline, rive gauche, l'écoquartier, et également, d'ici une quinzaine d'années, le développement de la nouvelle gare à Saint-Sever. Le cœur de la métropole, c'est un enjeu pour tous les habitants de la métropole et à vrai dire pour tous nos voisins et une partie de la Normandie, parce que effectivement, attirer des investisseurs, attirer de nouveaux habitants, c'est investir dans la qualité de vie. Et les bâtiments administratifs, ils doivent aussi participer à un moment donné de ce paysage urbain renouvelé et attractif.